de pitié pour les croissants, hein? Guillaume, arrête! C'est quoi une carotte? Bah c'est un fruit. Ah bon? Bah oui. Mais pourquoi tu veux savoir ça? Oh, pour rien. C'est pour un concours. Ah bon? Patrick, quel homme. L'odieux savant fou a réussi à créer l'arme absolue, la belle Karen Chéri, qui est si belle qu'elle transforme tous les hommes en toutous. Même Super Pat semble en être la victime, au grand désespoir de Mademoiselle Dorothée. Quelques jours plus tard, au bureau de Mademoiselle Dorothée. Super Pat! Non. Vous avez vu ce qui m'arrive, hein? Super Pat, il est parti avec cette horrible créature. Et puis moi, depuis, j'arrête pas de pleurer tout le temps. Même que je suis obligée de mettre ça par terre parce que sinon j'inonde tout le bureau. Et puis il y a le téléphone qui sonne, et puis il y a le garçon de bureau, il est pas là, il paraît aussi. Oui. Allô? Oui, monsieur le directeur. Non, monsieur le directeur. Non, j'ai pas de nouvelles dessus. Oui, Père Pat. Oui, monsieur le directeur, je vous tiens au courant. Monsieur le directeur. Bon, c'est pas tout ça, il faut que je me ressaisisse. Hein? J'ai du travail à faire, je suis une journaliste, et une journaliste ne s'effondre pas, surtout pour un homme qui tombe à quatre pattes devant n'importe quelle créature. Même si cet homme, c'est... Super Pat! La guillose, ça coule partout! Merci, Patricia. Pas de pitié pour les croissants. Donne-moi ta main et prends la mienne. Y'a que ça sonne, ça signifie. Non, mais qu'est-ce que ça, cette chanson? Oh, je sais pas, c'est grand-mère qui me la sente tout le temps. Comme le temps passe. Dorothée Dimanche, ça me branche. Tout a parfaitement fonctionné, suivant mon plan diabolique, ma petite Ariane. Ah, oh, vous êtes merveilleux, monsieur le savant. Ariane, je t'ai déjà dit 3 milliards de fois de ne plus m'appeler monsieur le savant fou. Ça m'énerve. Excusez-moi, monsieur le savant fou, j'oublie toujours. Bon, ça va. Je te pardonne pour cette fois. Ma réussite est tellement extraordinaire. Oh, merci, monsieur le savant fou. C'est vrai que vous avez fait très fort, monsieur le savant fou. Regardez, Super Pat. Oui. Gentil toutou. Allez. Oh, il va la revoir, sa maîtresse toutou. Allez, tiens, voilà ce suc. Hop là. Hop là. Regardez, ils vont se battre. Parce que c'est rigolo. Couchez, sale bête, couchez. Allez, couchez. Oh, oui. En quelle autorité, monsieur le savant fou. Ma petite Ariane. Oui, monsieur le savant fou. Venez par ici. Oui, monsieur le savant fou. Plus près, ma petite Ariane. Oui, monsieur le savant fou. Je vous ai déjà dit que je ne supportais pas que vous m'appeliez monsieur le savant fou. Ça m'énerve. Oh, excusez-moi, monsieur. Je sais ce que j'ai, hein. C'est que j'oublie toujours. Bon, ça va pour cette fois. Couchez, sale bête, couchez, sale bête. Pas de pitié pour les croissants. Docteur, quelle est cette douleur, docteur? Cette douce torpeur, docteur? Cette tendre chair.
Oh, ça, c'est génial. Voilà, voilà, avec tous ces euphorisants, ça devrait aller beaucoup mieux. Hop, 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 ça va déjà beaucoup mieux. Oh, dis donc, vous connaissez pas l'histoire de ce petit oiseau qui se prenait pour un éléphant? Oh, bah, c'est complètement ridicule. Il était tellement convaincant. De toute façon, quand il est monté sur la branche de l'arbre, ben, l'arbre, il a cru que c'était vraiment un éléphant et pff, il s'est cassé la figure par terre. Mais alors, ce que c'était encore beaucoup plus drôle, c'est que le petit oiseau, et ben, quand il est tombé, il s'est cassé la patte. Ah, ça, c'est vachement drôle. La patte. Super patte. Ah, super patte. Maquilleuse. Ma petite Ariane, ça y est, je vais enfin devenir le maître du monde. Oh, c'est bien, monsieur le savant fou. Où as-tu rangé Karen, chérie? Elle est dans le placard. Attendez, je vais vous la chercher. Ma petite Karen, chérie, sors du placard. Je vais te confier une nouvelle mission. Je suis à vos ordres, monsieur. Oh, couchez, savant fou. Non, mais vous avez remarqué? Elle s'en est souvenue. Elle vous a pas appelé monsieur le savant fou. Ouah, qu'elle est intelligente. En plus, qu'elle est belle encore. Ah, je sais, ma petite Ariane. C'est une réussite. Oui. Ma petite Karen chérie. Oui, monsieur. J'ai une nouvelle mission pour toi. Tu vas aller voir le président de la République et tu vas le réduire en gentil toutou. Comme ça, la place sera libre et je deviendrai le maître de la France. Et après, tu vas parcourir le monde et tu vas réduire tous les présidents de la République en gentil toutou. Comme ça, je deviendrai le maître du monde. Oh, comme c'est intelligent, monsieur le savant. J'ai bien compris, monsieur. Seulement, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Le président... Mais enfin, coucher. Oui. Coucher, ça le bête. Président de la République, disais-je. Oui. Aujourd'hui, je peux le trouver où, précisément? C'est très, très simple, petite carette, chérie. J'ai pensé à tout. Oui. Il y a une conférence de presse. Aujourd'hui, à l'Élysée, ma petite Karen chérie, tu vas te déguiser en journaliste et tu vas y aller. Oh, comme c'est intelligent, monsieur le savant fou. Oh, c'est cette bête. Papa de pipi... Pipitier pour les... Pour les croissants. Hello, little children. Welcome on a set on your favorite transmission, house. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Maud? Voilà que tu parles en anglais, maintenant? Oui, parce que personne ne regarde en France, alors peut-être qu'on va nous regarder en Amérique. Jackie? Ah, oui. Allô? Oui, monsieur le directeur. Bien, monsieur le directeur, j'y serai. Oui, je ferai l'interview du président de la République à l'Élysée. Entendu. Merci, monsieur le directeur. Ça, ça m'empêchera peut-être de penser à... Enfin, à lui. Oh! Allô? Oui, comment? Le directeur d'une grande maison de mouchoirs en papier? Oui. Ah, il trouve l'émission formidable, oui. Il veut sponsoriser l'émission. Mais écoutez, qu'à ça ne tienne, il suffit d'appeler Claude Cohen, TF1 Publicité, il n'y a pas de problème. Vous m'excusez, je vais interviewer le président de la République à l'Élysée, alors il faut que je me sauve. Merci, au revoir. Ma petite Ariane, oui. Cette fois-ci, ça y est, nous sommes en route vers la gloire. Dans quelques instants, Karen chérie sera à l'Élysée et va réduire le président de la République en gentil toutou. Ah, c'est bien, monsieur le savant fou. Ariane! Oh, excusez-moi, monsieur le savant fou, j'oublie toujours. Bon, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais on n'est plus dans le cadre, qu'est-ce qui se passe? Ouh! Hé, on est là! Ici, là! On est là! Mais il n'y a plus de cadreur, mais... Où est la caméra, s'il vous plaît? Il n'y a plus de cadreur! Monsieur le savant fou, regardez! Il n'y a personne derrière la caméra! Il n'y a personne derrière la caméra! Mais il y a un problème, la régie! Allô, la régie, s'il vous plaît!
Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le savant fou? Ça fait 5 minutes qu'on est là et personne ne semble réagir. Damned, Ariane, j'ai tout compris. Allez, viens vite. Du calme. Enfin, mais chacun leur rase un morceau de sucre. Oh, mais pas d'impatience, enfin. Oh, regardez, monsieur le savant fou, Karen Chéri a transformé tous les techniciens du plateau en gentils doudous. Mais je n'avais pas voulu faire tout ça, mais comment je vais te faire pour triompher si personne n'est là pour le montrer? Ah, mais cochez, alors. Oh, le gentil toutou. Alors, tu veux sa maîtresse, hein? On est content. L'imbécile. Il est parti rejoindre sa maîtresse. Ah, mon Dieu. Oh, regardez, monsieur le savant fou. L'innocente victime s'est échappée, elle aussi. Oh, zut, je vous ai encore appelé, monsieur le savant fou. Oh, excusez-moi, monsieur le savant fou. J'en peux plus. J'étais si près du but. Mais comment va se terminer cette satanée histoire? Comment mène le scénariste? Excusez-moi, monsieur le savant fou, mais ça, c'est pas possible. Pourquoi? Oh là là. Eh ben, parce qu'il avait les cheveux un petit peu longs, alors Karen Chéri, elle l'a envoyé au toilettage. Pas de pitié pour les croissants. Bah, qu'est-ce que t'as? Bah, hier soir, j'avais de la fièvre et ma maman, elle a voulu me mettre le thermomètre dans la bouche. Bah, et alors? Bah, j'ai pas voulu ouvrir la bouche. Ah bon? Et alors? Bah, j'aurais dû ouvrir la bouche. J'ai très peur d'avoir compris. Jackie, de la folie. Charlie, ouais. T'as vu l'article dans le journal? Ils disent que grâce à nous, les petits-enfants reprennent goût à la lecture, au sport et au plein air. C'est vrai? Attends, montre-moi, là. Ah oui, t'as raison, Marotte. Oui. Grâce à Marotte et Charlie, les enfants préfèrent faire n'importe quoi plutôt que de regarder la télévision. C'est chouette, hein? Bah, comment tu mis le décor de l'Élysée? Je vais rater la table avec le président, moi. Mais... Oh non, c'est pas possible. Oh, mais écoute, mais tu vas arrêter. Enfin, ça me chatouille. Non, mais écoute, super pâte, écoute. Je te dis que... Arrête de me lécher les doigts de pied, ça me chatouille. Oh, super pâte avec cette créature. Oh non. Non, je ne peux pas laisser faire ça. Maquilleuse, coiffeur, habilleuse, vite. Ah, vous êtes là. Suivez-moi, on a très très peu de temps. Allez. Mais tu vas arrêter de me lécher les pieds, enfin. Mais coup de super pâte. Oh, c'est pas croyable ce que t'es désobéissant. T'es vraiment un vilain toutou, hein. Mais calme-toi. Mais qu'est-ce qu'on fait, monsieur le savant fou? Moi, j'y comprends plus rien. Premièrement, Ariane, cette histoire est de plus en plus débile. Ah oui, ça, c'est vrai. Deuxièmement, je suis ivre de rage d'échouer si près du but. Ah oui, ça, je comprends, oui. Et troisièmement, arrêtez de m'appeler monsieur le savant fou. Je sens que je vais craquer. Oh, excusez-moi, monsieur le savant fou. Tu ne le referas plus, monsieur le savant fou. Je suis désolée, monsieur le bon, savant ça fou. Ça va. Tonnerre de mousotte, j'ai une idée. Oh. Oui, je vais triompher et devenir le maître du monde. Oh oui. Ariane, ces imbéciles de techniciens se sont transformés en vulgaires toutous. Nous allons nous emparer des caméras et faire tout à leur place. Allez, vite, Ariane, vite. Oh, monsieur le savant fou, est-ce que vous êtes intelligent? Pas de pitié pour les croissants. Oui. Pourquoi c'est tout noir? Parce que j'ai les yeux fermés. Ouvre-les! Non. Ouh! Y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'on rit? Ma ruse diabolique va réussir! Karen Chéri arrive devant l'Élysée pour transformer le président de la République en vulgaire toutou! Ah! Ça va être bien, monsieur le savant! Tiens. Oh,
excusez-moi, monsieur le savant fou. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Ariane, aidez-moi à tourner la caméra. Vite, vite, Ariane, Ariane, oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh oui, ignoble savant fou, tu ne rêves pas. C'est bien moi, mademoiselle Dorothée. Grâce au talent de ma maquilleuse, de mon coiffeur et de mon habilleuse, je suis prête maintenant pour lutter à armes égales contre ta créature. Eh ben, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le savant fou? Couchez, couchez, mon petit Jackie, couchez, couchez, on se calme. Allez, oui, tu l'auras ta caresse tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai autre chose de plus important à faire. Non. Non, non. Mais écoutez, moi je trouve ça plutôt sympa la chute de l'histoire, j'ai rien contre, mais je fais quoi maintenant? Bah écoute Karen, je pense que tu pourrais peut-être nous chanter quelque chose, qu'est-ce que t'en penses? D'accord? D'accord. Me laisser à l'envers, à l'endroit, envers et contre.
de pitié pour les croissants. Tilomotte ! Oui ? Tu peux ouvrir ta bouche, s'il te plaît ? Zut, zut, zut ! C'est pas là non plus ! Bah, tu cherches quelque chose ? Bah, j'arrive pas à me souvenir où j'ai garé ma voiture ! Avec Patrick, jamais de hic ! Je vais t'en rajouter encore un tout petit peu. Ah, merci, Ariane. Attention, ça va déborder. Mais tu verses mal ce matin, dit Ariane. Merci, merci. Marc, il est très bien. Il est corsé, hein. C'est vrai qu'il est tôt. Vous en voulez encore un peu, les garçons ? Non. Ça réveille, ça. Ariane, t'as déjà eu ton coin. Oh, merci d'être revenu, Arcaren. Re-re-revenu, c'est gentil. Je veux dire, non, non, moi, je voulais surtout pas rater la chute de cette sublimissime histoire, il faut bien le dire. Ah, tu as remarqué. Je veux dire qu'il est en net progrès. Ah, ouais, ouais, il a fait très fort. Ça va bien, pense, maman. Oui, très. Comme tu le vois. Bon, d'accord. Comme tu le vois, ça va vraiment très bien. T'as déjà pris ton croissant, Karen ? Tu veux un petit croissant ? Bah écoute, je n'osais pas t'en demander un, mais... Mais pour vous, j'ai beaucoup mieux. On a faim, nous ? J'ai beaucoup mieux. Ah oui, des brioches. Qu'est-ce que tu leur réserves ? C'est pour qui la bonne nourriture ? C'est pour qui la bonne nourriture ? Oh, c'est le quoi-moi pour les chiens. Ils sont parfaits. Ne changez rien, les garçons. Au revoir. Salut. Si je peux vous donner un conseil. Non, mais sérieux, hein. Pas de pitié pour les croissants. Dis. Oui. Tu sais conduire, toi? Non, et toi? Ben non, moi non plus. Bah c'est pas grave, on fera du stop pour aller au nightclub. Oui. Dorothée, c'est gagné. Attends. Attends, excuse-moi. Je n'ai pas fini mon raccord, qu'est-ce que tu veux mon petit pâte? Écoute le gain, franchement. Montparnasse d'enfer aux chroutes. Ferme pas trop, je suis claustro, maman. Ok. Quand tu parles avec Talbois qui se rend dans la bouche, c'est pas terrible, si tu veux. Et pourquoi tu bouges la caméra? C'est vrai, c'est après tout la caméra. Pourquoi tu bouges la caméra? C'est vrai, pourquoi tu bouges la caméra? Hein? On est prêtes, les filles, on y va. Franchement, on n'a pas que ça à faire.